Vous connaissez forcément une partie des œuvres de Keith Verkade, puisque c'est lui qui a réalisé de nombreuses statues qui s'inscrivent dans le paysage monégasque. La princesse Grâce à la roseraie, Malizia sur la place du palais, ou encore celle située sur le parvis du stade Louis II. Cette exposition à la salle du Quai Antoine Ier propose une plongée dans le travail du sculpteur. J'ai toujours dessiné depuis tout petit. J'ai suivi des cours pour ça. Au début, c'est parce que je souhaitais devenir illustrateur, mais comme j'étais trop jeune pour intégrer la classe, le directeur m'a répondu qu'il fallait que j'attende mes 18 ans. Il m'a donc incité à suivre pendant 2 ans des cours de modélisme. Depuis, j'adore la sculpture, je l'aime tellement. L'exposition est donc une véritable rétrospective. Il faut dire que Keith Verkade travaille depuis 50 ans. Cette exposition lève ainsi le voile sur l'ensemble des œuvres réalisées par l'artiste, des sculptures et des esquisses. Mais Keith Verkade ne compte pas s'arrêter là et poursuit son travail avec passion. Pour être honnête, oui, je travaille toujours. Je travaille actuellement sur une commande destinée à une personne de Las Vegas. J'ai des commandes, des expositions comme celle-ci, et c'est ça qui rend la vie délicieuse. Et Keith Verkade à découvrir pendant tout le mois de juillet à la salle du Quai Antoine Ier.